الله أكبر. Haray e weltaaki mayinde kono ko tata o jamaado fo hettiki argo wattingol o paykum haray e weltanike julbe be haray e weltanike jamaa on fo min torki Allah yo Allah hinno mo yaafo yo Allah yarlo mo o mana karta mani jappo mo taw har ko mana nga addi la janga barki wa rawhun wa rayhan barki salatu fati barki rabbana aghfir lana dhunubana wa israfanna fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna ala qawmil kafirin wa atihum lillahi sawaba dunya wa husna sawabi akhirati wa nahu hibbul musinina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala mursalin wa alhamdulillah. D'abord, je remercie les boulangers qui ont gardé la calme. Donc, les boulangers ne sont pas des violents. Lui-même, il était assis devant sa boulangerie. Il a fini de mélanger la pâte. Il est venu se reposer pour manger avant d'aller commencer à travailler. C'est là qu'ils sont venus tirer sur lui. Donc, c'est ce qui est passé. Mais maintenant, depuis là, on est en train de calmer les collègues parce que c'est pas lui, ce n'est pas commencé c'est lui. C'est commencé vers Anta Cimenterie et Onco 5. Il y a eu des boulangers qui sont victimes, qui sont tués. On a écrit, on a alerté. Mais on avait déjà fait le dernier écrit qu'on a dit, si maintenant ça répète, on ne va pas lécher. Ça, nous avons les preuves. Maintenant, aujourd'hui, on lance un appel à les autorités de nous chercher la personne qui a fait, parce qu'il y a les preuves qui nous disposons. Bon, en attendant, nous, hier, on a dit 2 à 3 jours, nous maintenons à ça. Donc, si on ne nous montre pas celui qui l'a tiré, nous allons rester, nous aussi, on arrête le travail jusqu'à qu'on verra la personne qui a tiré le petit. Parce que le petit, il était assis. Il ne faisait rien si ce n'est pas pour manger, aller commencer son travail. C'est un petit de 25 ans. Les boulangers et les parents de Alcheny Ibari, c'est ce que j'ai dit, nous partons vers les autorités. Okay. On ne va pas t'asseoir. Okay. Tu as compris? Donc tout de suite, ils ont envoyé l'inspecteur régional. Ils ont envoyé le directeur communal de la tourisme et artisanat. On a enterré ensemble, depuis le matin, nous sommes ensemble. Mais quand même, après l'entraînement, on vient vers le ministère, tout à l'heure même, avec l'inspecteur régional. On vient voir le monsieur le ministre ou le secrétaire général. Avant tout, je veux remercier vous, la presse. Vraiment, depuis qu'on vous a appelé que vraiment ce petit-là a eu cet accident, vraiment, vous êtes là depuis hier, vous êtes allé jusqu'à aujourd'hui à l'enterrement. Je vous remercie beaucoup. Vraiment, que Dieu vous guide dans votre travail. Bon, vraiment, c'est la tristesse dans la famille. Et puis, avec ses collègues, ses collaborateurs boulangers. Mais vraiment, depuis que Petit l'a tué, tout le monde s'est levé pour arrêter. Vraiment, chacun a fait ce qu'il peut. Donc, maintenant, l'autorité compétente est au courant de tout ce qui s'est passé maintenant. Maintenant, nous, maintenant, on les attend maintenant.
peut pas les dépasser. C'est eux l'autorité. Ils ont pris toutes les preuves avec eux. Maintenant, on attend maintenant le résultat. Maintenant, c'est avec maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, la famille, quand même, on a demandé à tout le monde de se calmer. La mort, on ne peut même pas faire revenir un mort. Si quelqu'un est mort, il est mort. On ne peut plus faire revenir. L'âme appartient à bon Dieu. Quand tu as levé une âme, tu as affaire avec bon Dieu. Tu n'as pas... La justice, oui, c'est la justice des hommes. Mais en tant qu'un croyant, quand tu enlèves l'âme d'un être humain, c'est un grand péché. Donc, s'il y a la justice sur la terre, ça va au moins atténuer un peu la douleur de la famille. Sa maman, je vous avais dit, ça fait deux mois comme ça, elle était malade, elle est kinésie. C'est les mêmes enfants là qui sont occupés de ces problèmes de produits pharmaceutiques là. Jusqu'à vraiment, elle est retournée. Actuellement, elle est très, très, vraiment. Je ne sais pas comment il faut, parce que ce sont ces espoirs, ces deux petits-là. Si on a tué un maintenant, on n'a pas de mari, son mari est décédé. Je dis au village, c'est grâce à l'exemple. On est tous des Guinéens, on est des frères. Ce que j'ai dit hier, là, même les mêmes sécurités-là, on a des enfants là, parmi eux. Et aussi, il fait tout le temps, même chose comme ça. Là. Hein? C'est pas bien. Hein? Entre eux, là, même, il faut qu'il y ait dans les services de sécurité-là, vraiment, il y a des gens. Il faut qu'on les explique parmi eux. On doit s'aimer un entre nous, l'un comme l'autre. On est tous des fils guinéens. Si on ne s'aime pas ces pays-là, vraiment, ce sera difficile pour développer. C'est tout ce que moi j'ai dit.